Alors, l'intérêt de ce que nous avons trouvé qui constitue les huiles essentielles contre le cancer, issues de nos plantes, de la pharmacopée, c'est que ces mélanges, ces huiles essentielles, sont des molécules principalement issues de la terpénoïde et des phénylpropanoïdes. Alors, il se fait que ces molécules agissent exactement de la même façon que la chimiothérapie. Mais la grande différence ici, c'est que en produisant des radicaux libres, ces radicaux libres ne ciblent que les cellules cancéreuses. Elles ne ciblent que les cellules cancéreuses. Plus précisément dans la mitochondrie des cellules cancéreuses. Ah, vous voyez, en fait, c'est un traitement ciblé. Qui se fait à partir de ce que nous avons trouvé. Alors, comment prévenir le cancer à partir des huiles essentielles issues des plantes médicinales? Voilà. Excusez-moi. La prévention, comme je l'ai dit dans mes propos, vous savez, les radicaux libres, y compris les espèces réactives oxygénées, sont des molécules qui sont tout le temps générées par, la respiration mitochondriale. De sorte que lorsque cette production de radicaux libres balance en défaveur des antioxydants, parce que l'organisme dispose d'un dispositif pour lutter, pour éliminer les excès de ces radicaux libres, alors, il se fait que ces radicaux libres, une fois que ces molécules sont en abondance dans l'organisme, elles vont provoquer des dégâts. Parmi les dégâts, vous avez ce qu'on appelle la peroxydation de la membrane lipidique. C'est un thème technique. C'est un thème technique, c'est vrai. Et va provoquer ce qu'on appelle l'oxydation de l'ADN. J'avais dit au début que l'ADN, c'est le patrimoine génétique. Qui comporte des séquences de gènes qui sont impliquées dans la production ou la synthèse de certaines protéines. Alors, 16 oxydants qui sont produits, au risque qu'ils créent ce qu'on appelle le stress oxydant, on a pu isoler, en dehors même des huiles essentielles qui sont recommandé pour le traitement à proprement parler, on a pu isoler de nos plantes médicinales ce qu'on appelle des antioxydants. Les antioxydants, on les retrouve dans nos plantes, la pharmacopée nationale. Ces antioxydants sont capables de piéger ces radicaux libres. C'est une forme de prévention. Les piéger, les éliminer. De provoquer ce qu'on appelle de chélater les métaux, parce que les métaux sont des facteurs de risque. Lorsque ça s'accumule dans la cellule, il peut provoquer des dégâts et des perturbations au niveau de la cellule. Donc, de ce point de vue, on a mis au point des molécules extraites, n'est-ce pas, de nos plantes, et qu'il va simplement falloir consommer régulièrement pour faire baisser le taux, n'est-ce pas, d'oxydants qu'on aurait appris.